Lomé, partie 4. À quoi va sur les chevaliers lunettes? J'espère que vous portez bien, car moi je vais très très bien. On va continuer notre formation au niveau de notre logiciel de gestion de notes. Voilà que nous allons commencer un petit mini projet. Voilà, je profite en même temps l'occasion pour toujours faire des dédicaces à tous ceux qui me soutiennent sur groupe les chevaliers lunettes. Je n'oublie pas le grand Didi du Cameroun, voilà un jeune petit informaticien qui a vraiment de l'avenir, et Dabo Gamal, voilà Dabo Gamal, sans oublier Gladys de la Côte d'Ivoire. Voilà, je profite à l'occasion pour vous dire merci, 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 merci beaucoup, les gars. On va revenir encore sur notre projet. Ici, on a fait juste une petite partie, la partie évaluation. On va récupérer maintenant notre coefficient. Je reviens en tabulant simplement. Tu me chantons pas, c'est sur le plan. Voilà, sur le plan ici. Donc ici, lorsque je finis de sélectionner Ashley, recherche premier, évaluation, ok. Je vais rechercher dans ID évaluation et je vais mettre moi-même, mes point, 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 valeur. Je vais envoyer la valeur mémorisée. Voilà, je vais envoyer la valeur mémorisée. Si H trouve, si d'autres ne comprennent pas pourquoi j'ai mis valeur mémorisée, qu'ils laissent en commentaire. Voilà, je ferai l'effort de répondre. Parce que lors de la liaison, j'ai utilisé une valeur mémorisée en ID. Voilà, moi je préfère aller rechercher directement dans le ID. Si j'ai trouvé, alors qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai trouvé, alors saisie, si je ne me trompe pas, c'est saisie, coefficient va recevoir la valeur de évaluation. Évaluation, c'est évaluation. Liation point coefficient. Voilà, s'il a trouvé, voici ce que je vais envoyer. Donc je fais un autre test. Je viens au niveau de moyenne, je viens l'élève ici de voir où est que le coefficient est défini ici. Voilà, le coefficient est défini ici. Maintenant ici, moi je vais interdire la saisie du coefficient, parce qu'il ne faudra pas qu'on autorise la saisie du coefficient. Donc je vais interdire la saisie du coefficient intégralement, carrément plutôt. Ici, aucun saisi, affichage seulement, et je vais centrer un peu le coefficient ici. Maintenant, lorsque j'ai fini de faire ça, lorsque je commence à saisir la note, lorsque je mets à saisir directement la note, je vais faire ça ici, ça j'ai mis quoi, ça c'est le coefficient, donc je vais faire ça multiplié par ça, ça donne le coefficient. Ok, voilà, donc je mets la note ici, je fais ça multiplié par ça, ça donne le coefficient. Donc ici, il dit, il va définir des variables. Donc ici, il y a saisie note d'abord, que je vais appeler ça note est un. Oh non, non. Il faudrait qu'il me prenne un petit L. Note, bon, je vais mettre un est un réel. Voilà, c'est un réel. Parce qu'il y a des notes et virgule. Est un réel égal à saisie note. Note, voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre coefficient. Coe est un réel également. Hein. Voilà. Le coefficient, c'est saisi. Je peux passer directement le paramètre que j'ai trouvé là-bas, mais je vais mettre saisi coefficient. Hein. Voilà. Maintenant, après ça, maintenant, je vais mettre note coe est un également un réel. Voilà, si ce sont pas des entiers, ce sont des réels, hein. Égal à saisie note coefficient. Voilà, donc il va faire la valeur de lui là, vous allez voir qu'on va faire le système, ça risque de ne pas marcher parce que il y a les conditions qu'on va appliquer ici. Donc c'est multiplié, c'est astérique qui est multiplié par. Ok, donc on valide. On fait le test pour voir. On vient sur moyenne ici. Jojo, on prend 10 de voix. On met ici 12. Ok. Ça n'affiche pas ici. Oh oui, je n'ai pas ramené celle-ci. Lorsque j'ai fini, ça va donner.
Lorsque j'ai fini, je vais ramener directement saisir notre à sa valeur égale. OK. Je viens ici, je valide ici. Je mets certains devoirs. Le devoir de coefficient 1. Donc je mets 10. Je mets 11, ça fait 11. Ça c'est logique. Voilà, ça fait 11. Là c'est logique. C'est logique et c'est comme ça, c'est la valeur qu'elle a. Maintenant, et si je mettais ici, comme ça, interrogation. On sait que ce coefficient est 5. Mais la personne, elle a eu 5. On sait que l'interrogation, c'est noté aussi 10. On prend l'interrogation qui est notée 6-10 comme ça. L'interrogation écrite qui est notée 6-10. Il a 6. Il a 6, son coefficient ici, c'est combien? 0,5. C'est logique que le coefficient est 0,5. Mais le système donne quoi? Regardez ici. Le système donne. Ça donne 3. Le calcul est correct. Mais c'est pas logique. À l'école, c'est pas comme ça. Si tu as eu 6 de moins, si tu as eu 6, c'est 6-10. Mais ici, dans notre cas ici, il fait 6 divisé par. C'est comme si 6 multiplié par 0,5, ça fait. Ça donne 3. Ça, c'est logique, le calcul, mais ce n'est pas correct. La note de l'élève n'est pas. Quand on coefficiente, c'est comme si quand on coefficiente, ça donne le même résultat. Voilà. Quand on coefficiente, ça donne le même résultat. Logiquement, on ne coefficiente pas. Voilà, le coefficient, on ne calcule pas le coefficient ici. Donc, on va venir vérifier ici. On va vérifier d'abord si le coefficient égal à 0,5. Voilà, si le coefficient égal à 0,5, alors on ne coefficiente pas. C'est ce qu'on va dire. C'est logique, non? Si ce n'est pas logique, dis, ce n'est pas logique. Lorsqu'on fait les devoirs, les interrogations, qui sont sur 10, sur l'élève avec 10, sur l'élève avec 10, on ne multiplie pas, c'est comme les 10. Voilà, mais lorsqu'on fait le devoir, lorsqu'on chose, on fait, on chose, on fait, on fait, on calcule la moyenne, lorsqu'on calcule la moyenne, le coefficient est considéré 0,5. Le coefficient est considéré comme 0,5. Voilà, sur l'élève fait un devoir qu'il a eu 20, il a eu un devoir qu'il a eu 10. Le coefficient est 1, l'effet d'interrogation, qu'il est 7. Le coefficient est 0,5. Donc, on fait le total divisé par 1,5. Et c'est comme ça. Mais ici, quand on fait le chemin de calcul, ça concorde pas avec la réalité. Donc, on va poser des conditions ici. Voilà. On va poser des conditions ici. On va dire si. Si. Si saisi coefficient. Si le coefficient qu'on a obtenu ici, ok, est plus petit, voilà, plus petit que, on va dire plus petit que, lorsque c'est plus petit que 1, alors on conserve, on envoie la même valeur. Voilà, lorsque c'est plus petit que 1. Dès que c'est plus petit que 1, alors on fait aucun système de calcul. Sinon, ok, lorsque c'est plus petit que 1, ok, la note serait égale à la note du coefficient qu'on a saisi. C'est ça, cette note qu'on a mis ici. Voilà. Du fait que c'est plus petit que 1, c'est-à-dire lorsque c'est 0, et quelques, alors dans ce cas-là, lorsque le coefficient n'est pas égal à 1, ici, on amène la même valeur. Voilà. Moi, je suis non encore du c'est comme ça fonctionne. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça fonctionne chez vous. Ici, on prend l'interrogation écrite. Sur exemple, les 10. Sur les 10. Il me fait toujours le calcul. 0,5. Attends, voyons, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai mis? Le plus petit, j'ai dit plus grand. Lorsque c'est plus petit, lorsque c'est plus petit, moi j'ai mis le plus grand, hein, je suis trompé. C'est logique. Lorsque c'est plus petit que 1. Ah oui, lorsque c'est plus petit que 1. Du fait que si ça ne vaut pas 1 net, lorsque c'est plus petit que 1, c'est qu'on est en bas, on est dans 0, quelque. Dans ce cas-là, mon cher, on recopie la moyenne, la même note, là, on recopie directement. Parce que ici, on prend interrogation écrit. On met exemple, le gars il est 1, 2, ça fait 2. Puis il est 10. Ça fait 10. Mais dans ce cas ici, sa note ne dépasse pas. Saisie ne dépasse pas plus de 10. Voilà, saisie ne dépasse pas plus de 10. Ok. Dans ce cas, tu peux préciser pour dire saisie ne dépasse pas plus de 10. Voilà, saisie ne dépasse pas plus de 10. C'est la raison pour laquelle
Lui, ici, on a mis ça en paramétrage. Ça nous permet ici, comme ça, d'avoir un système qui est purement indépendant. Voilà, un système qui est purement indépendant. Maintenant, lorsque c'est un devoir, les 12 du 9, c'est coefficient 4. Voilà, maintenant, lorsqu'on sélectionne, lorsqu'on finit de sélectionner une valeur, il faudra qu'on vide nos tables. Il faudra qu'on vide, parce que moi, je ne vide pas. Lorsqu'on sélectionne directement, on va vider. On doit vider tout ça. On doit vider ça et puis ça. Donc ici, je vais les grouper, je vais les mettre ensemble. Je vais les grouper, je vais les mettre dans un groupe pour pouvoir les vider ensemble. Voilà, je vais appeler ça je vais appeler ça note voilà. Vous dites c'est le groupe de notes tiré coefficient. Voilà, là ça me permet de vider ça en même temps, les deux à la fois. Je valide ici. Je viens ici. Lorsque je finis de faire ça, je vais raser ça en même temps. Donc je vais faire le groupe que j'ai créé, que j'ai appelé ça GR groupe égale vide. Voilà. Donc il va me raser ça. Donc on fait un test pour voir. Ici. Ok. Ok, ici, je mets. Ok, ça fait 1. Ici, lorsque je change, je mets exemple 12. Ça fait 12. Maintenant, vous pouvez trouver un système pour pouvoir vraiment bloquer la valeur à 10. La valeur, quand je dis la valeur à 10, pas la valeur à 10, mais la valeur à. Les interrogations, il ne faudrait pas que ça dépasse plus de 10. Voilà. Donc, vous pouvez dire ici, si c'est super un truc. Ici. Ici, lorsque la personne commence à saisir ici, lorsque c'est plus grand que truc, vous allez vérifier ici. On vérifie ici. Ici, on va vérifier si saisir. Lorsqu'on est dans 1, si saisir note. Voilà, est supérieur à. Supérieur à 10, dès qu'il est supérieur à 10 net là, lorsqu'il est supérieur à 10, ici moi j'ai mis inférieur, hein. Si il est supérieur à 10, alors ici lorsque c'est supérieur à 10, moi j'ai mis inférieur, c'est à dire lorsque on voit que c'est plus grand que 10, automatiquement on va dire mon cher, ce qui t'avantage c'est impossible, hein, parce que les interrogations ne peuvent pas dépasser plus de 10. Voilà, sinon. Voilà, si c'est super adulte, on met saisir repris, on va mettre erreur, on met saisir repris, c'est dit c'est face, ça va effacer directement. Donc, mes repris, repris saisi. Un système est plus poussé, plus tu développes, plus tu t'arranges à l'améliorer. Voilà, lorsque les gens à Mark Zuckerberg avaient créé Facebook, tout n'était pas correct. Il a amélioré jusqu'à aujourd'hui, il a arrivé à un niveau qui continue d'améliorer toujours. Donc, lorsque vous faites un logiciel, ne pensez pas que vous êtes obligé de faire tout avant de commencer à livrer. Ici, je mets ici toute interrogation. Donc, si je mets exemple 12 comme ça, je mets exemple 12, vous voyez. C'est quelle valeur qui envoie saisir reprise? La note qui est saisie fera 10 ça. On va saisir la prise. Ah, logiquement, c'est dans ma chaîne. Je sais pas pourquoi il ne fait pas, il ne répond pas à la saisie. Si c'est égal à 10, on va saisir la prise. Saisir la prise et on va raser. Ou bien c'est mieux, non? Voilà. Non, mais moi-même. Ah oui, il doit raser. Moi-même égal à espace vide. Voilà. On met égal espace vide. Il ne fait pas ça.
Voilà, tu mets un système de conduction, tu mets un système de conduction. Je pense bien que la conduction n'est pas correcte, mais il y a quelque chose qui me manque ici. Voilà, quelque chose qui me manque ici. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me manque ici. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ça va pas. Vous pouvez ajouter erreur, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Ça va toujours continuer à fonctionner correctement. Donc ici, là, c'est bon. Je voulais faire quoi encore? Le système de calcul ici, c'est bon. Voilà, vous pouvez faire d'autres systèmes plus poussés. Moi, plus souvent, moi, je mets le différent, la valeur ici, c'est-à-dire si c'est sur 10, si c'est sur 20, je mets ici. Voilà. Si c'est si c'est interrogation, je mets ici 10, si c'est devoir, sur 20, etc., etc. Donc, au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de voir cette partie-là. On va mettre ici, c'est sur combien, sur 10, sur 20, sur 30, etc. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on va essayer de mettre ici le su. Et à la prochaine vidéo, on va valider les informations pour la récupérer et utiliser notre requête pour pouvoir calculer notre moyenne. Je vous aime, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis pas à la snap.